Alléluia, gloire à Jésus, shalom, shalom, peuple de Dieu. Et voilà, et comme vous le savez, l'événement heureux qui, du moment à Jésus revient, c'est bien sûr le mariage du serviteur, l'apôtre Paul et de notre bien-aimé, et la servante de Dieu en éternité. Donc, comme ce processus, nous vous l'avons dit, de rester connecté pour la suite des événements. Voilà, aujourd'hui encore, c'est un nouveau jour où ce processus est arrivé à une étape du mariage civil. Et nous sommes déjà sur les lieux à la mairie d'Abomey-Calavi pour le mariage civil. Donc tout est déjà en place et restez connectés pour la suite des événements. Vous serez informés des moindres détails. Gloire à Jésus, soyez bénis. Shalom, shalom. Monsieur Chétan Hervé, c'est un jour de joie. Il faut être décontracté et reprendre en ordre. Ou bien t'as forcé pour venir ici. Si vous vous êtes forcé là, allez-y. Vous entendrez encore et vous venez. C'est la joie. Tu réponds sportivement. Oui, madame le maire. Oui, madame le maire. Voilà. C'est le genre qui parle. Mademoiselle avocat Éternité. Oui, madame le maire. Monsieur Makounayo. Oui, madame le maire. D'accord. Madame Lali Martin. Oui, madame le maire. Merci. Monsieur Chétan Hervé. Madame le maire. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Avocat Éternité. Oui, madame le maire. Là, vu comment les parents sont vraiment motivés. C'est l'Esprit Saint qui travaille. Ah, l'Esprit Saint qui travaille. L'Esprit Saint travaille. L'Esprit travaille en nous. Voilà. Il nous fortifie. Amen. 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 Parce que Dieu est le siège de la joie. Amen. Et là où deux ou trois sont venus, il est là. Amen. Donc il faut être en joie. Amen. Parce que voir une journée, c'est une grande grâce. Jusqu'à s'unir, c'est une très grande grâce. Amen. D'accord. Mademoiselle Avocat Éternité. Consentez-vous à prendre pour époux M. Chétan Hervé? Oui, je le consens. Madame et Monsieur les futurs époux, chers invités et amis, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille, mesdames et messieurs, ce jour 6 avril 2023 dans notre hôtel de ville d'Abomey-Calavi afin de célébrer l'union de Monsieur Chétan Hervé avec Mademoiselle Avocat Éternité. Grande est ma joie. En tant qu'officier de l'état civil, de recevoir dans cette somptueuse salle de la mairie les futurs époux qui ont choisi la voie du mariage pour se mettre ensemble. Un devoir civique et moral qui suppose pour les époux un respect, un engagement mutuel de tous les instants. Je voudrais d'entrée saluer chaleureusement les membres de vos familles respectives, vos amis, ceux qui sont ici présentement pour vous soutenir et vous souhaiter beaucoup de bonheur à cette occasion. Qu'il me soit permis de rappeler au Bénin
Aujourd'hui, il existe trois formes de mariage que sont le mariage à l'état coutumier, le mariage à l'état civil et enfin le mariage sacramental. Le mariage à l'état coutumier, c'est déjà un mariage que vous auriez dû faire. Vous avez fait déjà. Ça s'opère entre les deux familles, censuré par une dot. Éternité. Voilà, tu es éternité. Amen. Pour les siècles des siècles. Amen. À tous les signes, donc, de monsieur, de la part de monsieur Hervé. Oui, je l'ai reçu. Tu l'as reçu. D'accord. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'aller à ce qu'on est en train de s'apprêter pour célébrer. On n'a pas encore célébré. On est en train de s'apprêter. Donc, c'est ça qui nous donne la liberté d'aller au numéro 2, le mariage à l'état civil que nous sommes en train de célébrer. Le mariage à l'état civil, en fait, c'est l'officier d'état civil qui vous offrira une dot. Une dot différente de la première. Là-bas, la toute première dot, c'était des trucs en nature que vous avez donné. Ça dépend de l'ethnie, de la région. La configuration diffère toujours. Mais ici, à l'état civil, la dot est homogène. Si M. Tchétan s'en va, quelqu'un d'autre vient là, c'est la même chose, on va lui offrir. Cette dot, la configuration est simple. Ce serait composé des articles tirés du code des personnes et de la famille. En certains de ces articles, vous concernant grand qui avez réfléchi et dire que vous voulez officialiser votre union devant l'officier d'état civil. Et d'ici à là, vous découvrirez ces articles-là en tant qu'adulte. Le mariage sacramental, j'ai vu avec joie. Ah non, je comprends. Ah, je ne sais pas comment ça va se faire. C'est toi-même qui vas célébrer. Il faut m'inviter. Pas de problème, vous êtes déjà invité. Si tu ne m'invites pas, tu me verras. Le mariage sacramental, ça dépend de, je peux dire, de la vocation de chacun. Parce que chacun répond là où Dieu l'appelle. Et librement. Donc, en tant que ce que je vois, avec le respect de ton sacerdoce, je prie l'Éternel des armées qui vous donne la force de finir. Pour vivre un citoyen libre et en règle devant la société, devant l'état civil et maintenant devant Dieu et les hommes. Que Dieu nous donne la force de finir l'étape qui reste. Dans un cas comme dans l'autre, un seul fait caractérise toutes ces formes de mariage. Il s'agit de la volonté des époux de se mettre ensemble. Ce qui caractérise ces mariages-là, c'est la volonté des époux à se mettre ensemble pour former une communauté de vie et de destin. Cette nouvelle vie en communauté, qui ne reste pas souvent sans moments d'épreuves diverses, constitue une invite au discernement, à l'amour et à une culture permanente de dialogue, ainsi qu'à une implication totale de vous deux dans cette communauté que vous fondez aujourd'hui. Par le mariage. Chacun de vous doit totalement s'impliquer pour que cette communauté puisse se développer et que cette communauté prenne tout son sens
et son importance pour l'aboutissement heureux du mariage. Parce que le mariage se vit à tout moment. Ce n'est pas que c'est aujourd'hui, on s'est marié, donc c'est fini, non. On vit le mariage au jour le jour. C'est pourquoi le législateur vous recommande à une implication personnelle de chacun de vous deux. Parce que la volonté est née de vous deux. Et la communauté de vie et de destin que vous formez aujourd'hui ne concerne que vous deux. Donc c'est pourquoi le législateur recommande vraiment, formellement, de vous impliquer totalement pour que rien ne soit laissé en rase. Mais le législateur étant quelqu'un qui a réfléchi, il a codifié un certain nombre de comportements. Et ces comportements sont obligatoires pour les époux. Et ces comportements paraissent de nos jours comme les règles essentielles qui renforceront les liens de votre mariage. Parce que si vous ne vous impliquez pas, si vous laissez certains comportements qui doivent vous nuire à la communauté entrer dans votre cercle de vie, ça va fragiliser le mariage. C'est comme je peux dire dans le thème simple et en mots synonymes, il y a des tabous du mariage. Quand ça vient dans la communauté, le mariage se fragilise. Et quand le mariage devient fragile, ça meurt. Ça veut dire que ça amène, moi en tant que votre grande sœur, je ne vais pas, votre maman, je ne peux pas prononcer ce mot. Parce que nous devons sortir de notre bouche des paroles qui doivent bénir, des paroles qui vont faire fructifier. Donc, je prie Dieu pour que le mariage ne se fragilise pas, pour qu'on connaisse même la séparation, que Dieu nous en éloigne. Que ce mariage soit fondé sur du roc. Et que l'Esprit Saint vous soutienne à chaque instant. Donc, parce que les conséquences étant graves, on est ici maintenant content. Si le mariage se fragilise, si ça connaît de dégradation, ce n'est plus devant Madame le maire que vous devez revenir. C'est le tribunal. C'est là où on règle ces litiges. Et que l'Éternel des armées nous en éloigne. Ça n'ira jamais là-bas. Ce serait un mariage béni et qui sera vraiment fructifié. Maintenant, je parlais de communauté de vie et de destin. Avec ses corollaires, les conséquences. Maintenant, le législateur va vous apprendre, vous dire ce qui est nécessaire et que vous devrez apprivoiser pour que la communauté que vous fondez aujourd'hui ne connaisse jamais de fissures, que la communauté ne connaisse jamais de fragilisation, que la communauté puisse toujours tenir selon le plan de Dieu. Je vous parlais tantôt que je vous offrirai une dot qui sera tirée du code des personnes et de la famille. C'est ces articles en fait qui constitueront le support, le socle sur lequel va fonder votre vie commune, la communauté de vie et de destin que vous formez aujourd'hui. C'est pourquoi vous devez vraiment prêter une oreille attentive et écouter, comprendre ces articles
de fond en comble. Parce que ces articles, c'est comme un bébé qu'on vous remet dans la main. Et c'est ces articles qui vont vous édifier, qui vont vous éclairer et savoir comment vous devez vous comporter, comment vous devez parler, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus Monsieur Tchétan Hervé et Mademoiselle Avocat Éternité qu'on connaissait. Vous revêtez un autre nom juridique qui est communauté de vie et de destin. C'est pourquoi il est obligatoirement nécessaire de vous faire la lecture des dispositions des textes officiels contenus dans le Code des personnes et de la famille en ces articles 153 à 162. Si vous connaissez le Code de la famille, surtout pour le Bénin, parce que chaque pays a son code. Tu prends de l'article 153 à 162, ça concerne l'homme. De l'étape de sa conception, l'étape embryonnaire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Jusqu'à l'étape bébé, croissance, adolescence et étape que vous êtes maintenant et que vous devez vous marier formellement, tout ça là est contenu dedans. En ce qui vous concerne, nous allons nous en tenir essentiellement aux articles 153, 154, 155 et 159. C'est les quatre articles qui vous concernent. Et ces quatre articles vous expliqueront vos droits et devoirs en tant qu'époux dans votre communauté de vie que vous fondez aujourd'hui. À cet effet, je vous invite à l'observance rigoureuse des dispositions de ces textes officiels afin de mener une longue vie de bonheur. C'est clair. Si vous allez vers le contraire, ça se fragilise, ça se casse. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est pas ça. Chez nous, le Seigneur, il multiplie l'addition. Donc, c'est ça. Donc, il n'aura rien. Soyez confiants. C'est compris. Il n'aura rien. Donc, vous allez écouter attentivement les quatre articles dont je vous ai parlé tantôt, qui constitueront le panneau signalétique de votre communauté de vie. Article 153, les époux s'obligent à une communauté de vie. Comme déjà c'était une communauté de vie que vous formez en répondant oui, je veux être, oui, je veux. Ça, déjà, vous formez cette communauté de vie. Maintenant, dans cette communauté de vie, vous vous devez respect. Le respect absolu. Vous devez vous secourir. Vous devez vous assister. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez peut-être vous dire, mais Madame Lebert, qu'est-ce qu'elle nous dit? On ne se respectait pas. Oui, vous vous respectez. Mais la forme juridique que vous voulez revêtir maintenant vous demande, comme on le dit, la transfiguration. Un plan arrière qui visualise de votre couple. Et pour mieux vivre, pour ces charismes, respect, secours, assistance, il faut l'humilité dans le couple. L'humilité, le pardon, la tolérance. Vous devez enlever l'indifférence de votre couple. L'indifférence, ce mot-là ne doit pas exister. Le mot existe, mais vous ne devez pas l'utiliser. Parce que l'amour accepte tout. L'amour comprend tout. L'amour voit. Et l'amour sait supporter. Donc, vous comprenez bien ce que je dis. Le respect, il n'y a plus. Ah, monsieur Tchétan dit,
à ma chérie éternité, vraiment, comment ça? Moi et toi, colle-moi la peine, non? Mon chéri, merci. Tu as besoin de quelque chose? Je viens. Je prends soin de toi déjà. De quoi as-tu besoin? Et vice-versa. Parce que dans un couple, chacun doit occuper sa place. Rien que sa place et toute sa place. Chacun doit jouer sa partition sans gêner l'autre. Et chacun doit être attentif à l'autre. Il n'y a pas que aujourd'hui ta femme t'a énervé et tu dis « Ah non, jamais moi, je ne vais pas pardonner. » Tu dois pardonner. Comme tu es, ce que je vois là. Tu sais combien de fois Jésus a dit de pardonner. Mais moi je dis pardonner plus que ça même. Parce que lui-même a dit que si on croit en lui là, on peut faire des choses beaucoup plus grandes que lui. Donc le pardon doit être aussi immense. Donc avec ça, la communauté tient. Il n'y a pas d'indifférence, même juste à vos amis, les parents, vous devez être proche d'eux par l'amour, la tolérance. Il n'y a pas des gens que vous allez dire, ah celui-là, je ne veux plus le voir dans notre ménage, non. Parce que la communauté, dans une communauté de vie, tout vous appartient ensemble, même avant de vous rencontrer. Tous les biens que tu avais, c'est pour ta femme. Tu ne dois plus t'approprier avec le pronom moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour nous. C'est ce qu'on dit. Secours, assistance. Vous devez, ça vous amène à ce que vous surveillez même en marchant, même dans la chambre, l'autre doit être attentif à l'autre. Je dis, mais pourquoi tu titubes? Ah non, j'ai eu quelque chose aux oreilles. D'accord, je vais te faire un bain d'eau chaude pour assainir ça un peu. Tu entends, madame Chetan? Donc, c'est comme ça. Tu dois prendre soin de lui et vice-versa. Tu dois être à l'écoute de ce qu'il dit. Même si elle posait des actes gauches, tu ne dois pas réprimander sur place. Tu acceptes. C'est pourquoi je dis vraiment, il faut être humble. L'humilité dans le couple, c'est très important. Avec l'humilité, tu acceptes. Et au retour de là où elle a eu à faire les bêtises, ce n'est pas au salon que tu vas la rabouer, dis toi là, viens ici, assois-toi. Mais ça ne te va pas. En plus, c'est pas bien. Tu l'appelles, tu dis ma chérie, tu as fait ci, tu as fait ça. Selon moi, c'est ci, c'est ça que tu devrais faire. Et elle, avec l'esprit d'humilité que vous avez déjà cultivé dans votre couple, elle dit, ah chérie, elle peut même s'incliner. Moi, je n'ai jamais vu là où quelqu'un a demandé excuse avec humilité et en s'inclinant. Et à la sortie, on écrit sur son front. Il s'est agenouillé devant sa femme, il s'est agenouillé devant, elle s'est agenouillée devant son mari. Non. C'est pour l'harmonie du couple. L'harmonie dans le couple vous amène à un dialogue permanent. L'harmonie dans le couple t'amène, toi, monsieur Chetan, si
on n'en sait jamais, mais ça n'arrivera jamais. Et il faut que je vous en parle. Parce que s'il n'y a pas l'harmonie, ça fait que il y a souvent des fissures dans la communauté. Et ces fissures, souvent, c'est les hommes qui s'échappent de ces fissures-là. Parce que ils ont peut-être subi quelque chose de désagréable de la part de l'épouse et ils vont se réfugier dehors, ailleurs, auprès d'une autre femme. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est ce qu'on nous a dit d'expliquer, qu'on explique. Si ça arrivait, toi tu viens lui demander permission. Dieu lui dit, ma chérie, je suis tombé amoureux d'une femme. Elle va te dire humblement, qu'est-ce qui ne va pas? Cherchez la cause. Est arrivé. Si monsieur Kétan venait te dire ah, je suis tombé sous le charme d'une femme, qu'est-ce que tu vas lui répondre? J'attends un esprit dans le dossier. Vous répondez, j'attends. Il vient parce que l'article lui impose, dans la communauté, j'ai expliqué, tout est à vous. Rien n'appartient à personne. Toi, elle est pour toi, toi tu es pour lui. Et vous ne devez pas faire quelque chose sans vous concerter, sans avoir l'avis de l'autre. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je dis, c'est bon. J'ai pas bien entendu, madame. Mm-hmm. J'ai pas bien entendu ce qu'elle a dit. Tu n'as pas entendu? Non. Donc tu notes, elle a accepté. Ah? Je n'ai pas accepté. Non, tu n'as pas accepté. C'est comme ça on vit dans un couple. Parce que quand les coups de foudre arrivent, on appelle ça la démence sentimentale. La démence sentimentale. L'homme ne s'appartient plus. Donc toi qui es lucide, ce n'est pas en faisant des litanies de votre vie. Ah, je t'ai connu, tu n'avais rien. Maintenant, comme maintenant, il y a belle voiture, il y a belle maison. Hein, c'est fini, non? Vaste. Ça ne sera pas bien pour toi. C'est le malheur qui va t'accompagner. Quoi, avec moi? Non. La femme ne dit jamais ça. Un enfant de Dieu est humble. On accepte tout. Et par la prière, on surmonte. Tu as chance que c'est... Hein? Hein? Tu as chance. Ça n'arrivera pas. Je suis tenu de vous expliquer tout. Ou bien je saute cette partie-là. Je saute. Je peux aller. Non, c'est même fini l'article-là. Donc tu dois dire non. Et chercher à comprendre pourquoi il est allé là-bas. Si tu demandes, il va te le dire. C'est ton comportement, peut-être, c'est quelque chose qui te reproche et il faut changer. Tu promets de changer sans revenir sur votre passé, sans revenir sur tout ce que tu es en train de consentir comme effort, sans revenir sur ce qu'il était et toi tu as aidé. Tout ce qu'il faut dire dans l'humilité, je veux que tu me dises comment je vais me comporter. Et te dis merci.
je te donne mon pardon. Et tu oublies. Ne donne jamais un pardon de braise qui est sorti d'un grand lot de feu. Là. Et c'est à part comme ça, le vent tape. Quand on voit ça, comment c'est comme si ça éteint. Mais en bas, là, c'est quoi? C'est le feu. Donc, ne vous donnez jamais ce genre de pardon. Un pardon total. Parce que le pardon fait évoluer. Le pardon libère l'homme. Et ça fait resplendir le couple. Si vous donnez vraiment le pardon à tout moment, vous allez rayonner. Et lui étant un berger, les gens viendront vers vous pour dire, c'est quoi? À vous voir déjà, hein, phénotypiquement, on sent que vous revêtez le Christ, mais il s'enracine davantage dans votre vie de couple. Acte 154, les époux se doivent mutuellement fidélité. Donc, je suis enfant de Dieu comme toi, je ne vais pas demander à un pasteur d'être. Ah. Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il n'est pas fidèle? Je te laisse à ta conscience. Tu n'es pas devant un tribunal. Mais ce que l'article recommande, c'est la fidélité à l'extrême. Tout là, tu dois avoir ça de ta femme. Tout ce que tu veux, demande-lui. Et à toi de te mettre à sa disposition. Ok, oui. C'est bon. Ça peut aller. Ça peut aller. Ou bien là, là, c'est pas bien. On avance, c'est très bien. C'est très bien. Oui. Vous comprenez bien. Très bien. Ce n'est pas moi qui forge, hein. C'est épais. Ça, c'est notre raison de vivre, la fidélité. D'accord. Donc, il faut la fidélité entre vous. La fidélité, je ne peux plus prendre l'encyclopédie pour dire, ah, c'est ceci, c'est cela, vous êtes. Et tout ce qui reste, vous devez vous comprendre. S'il y en avait des bureaux là, monsieur Hervé, tu nous ramènes les clés. Ici. Oui, on a un coffre, non? Oui, c'est ici. Et on vous amène ça. Parce que c'est un serment que vous allez faire devant vos frères, le maire. Donc, tu es obligé d'être honnête. S'il y avait des bureaux, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est éternité pour toujours. Et pour toujours et à tout moment. Monsieur Hervé, c'est compris? Très bien. Merci beaucoup. Que Dieu vous donne la force de vivre ça. Parce que ça, c'est fruit. Acte 155, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Sia. Ce que j'ai dit au début là, il y a l'humilité dans le couple, il y a voilà, la tolérance, l'amour, hein? Et il y a le respect. Les enfants ne vous voient pas faire des coups de poing ou bien dire devant l'enfant, votre maman là, vraiment, je ne la comprends même pas. Ses parents ne l'ont pas éduquée. Non. Tout se dit dans la chambre, pas devant même les amis. Et vous ne devez pas prendre conseil chez personne. C'est entre vous deux là. Parce que c'est votre communauté, c'est vous qui connaissez les problèmes de votre communauté. Vous vous levez pour aller chez d'autres, c'est quelle solution chez vous là. Peut-être c'est problème chez eux là-bas. Et vous leur amenez, qu'est-ce que vous aurez comme conseil. Donc, matériellement, moralement, la direction
de l'éducation des enfants vous incombe. Vous devez les éduquer correctement. Les enfants ne doivent pas sentir de vous que vous ne vous aimez pas. Parce que l'enfant est le fruit de l'amour. C'est parce que vous êtes aimés qu'ils sont venus. Donc vous ne devrez pas les frustrer par vos gestes. Vous ne devrez pas avoir, s'il faut dire le baragouin, comme on le dit dans nos langues là, deux bouches. Ce que papa dit, c'est ça maman vous doit dire. Si Hervé dit, maintenant je donne temps les matins à l'enfant, toi éternité, tu ne dois pas passer derrière pour dire à l'enfant, ah non, il faut dire pas que c'est petit, non. Tu dis à l'enfant, ah les temps sont durs et vous, vous êtes même mieux ailleurs là. Vous savez combien on donne? C'est moins que ça. Donc travaillez bien à l'école. Donnez-nous la joie dans le cœur. Nous vous aimons. C'est compris? Donc, c'est l'article 155, ça. Parce que le fruit de l'amour même doit fleurir, grandir et porter beaucoup de fruits. C'est ce qui vous interpelle. Article 159, nonobstant toute convention contraire, les époux contribuent aux charges de ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution par prélèvement sur les ressources dont il a l'administration et la jouissance et ou par son activité au foyer. Hervé, éternité, la communauté de vie, j'ai dit au début, c'est votre communauté. Et vous devez tous agir dans la communauté. Donc, vous devez gérer votre communauté de vie et de destin. Pas ce qu'il faut maintenir la communauté, la survie. Donc, vous devez vous comprendre comment vous devez gérer, comment vous devez contribuer. Mais comme en Afrique, on sait que c'est l'homme qui est la locomotive. Monsieur Tchétan étant bien gentil, il doit assurer son rôle de locomotive de la famille. Mais toi, tu ne dois pas rester indifférente, même s'il donne tout. Si tu as des revenus, tu dois aussi contribuer. Mais pas en la forçant. Si elle décide, je vais donner, voilà, c'est, la popote c'est 50 000. Donc, chérie, j'ai 15 000 à donner. Tu ne vas pas dire, ah non, jamais. C'est 25 000, kiff, kiff. C'est pas bien. Parce que la femme a des activités dans le foyer qu'elle exerce. Si on évalue ces activités en numéraire, c'est aussi important. Le fait de préparer à l'heure, ne pas gaspiller tout ce que les provisions. Ne pas appeler les gens du quartier à ton insu, préparer à ton insu. Déjà, c'est un gain. Ça te fait gagner. Veillez sur les ampoules, veillez sur l'entretien de la chambre, sur tout ce qui est bien que vous utilisez. C'est aussi sa contribution dans la communauté. Donc, sur ça, vous devez vraiment voir comment vous allez vous entendre pour gérer votre ménage. Là, le législateur n'a pas mis une barrière pour dire tout ce que je sais, l'homme est la locomotive. Il doit tout faire pour subvenir aux besoins de sa famille. Et Dieu va vous aider, vous ne manquerez d'aucun bien. Parce que quand le pauvre prie le Seigneur en temps de tous ses frayeurs, il le délivre. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. Et fonder votre ménage pour confier le ménage à Dieu.
il pourvoira à tout. Et ce qu'il faut faire, chaque soir, il faut que vous vous asseyez, faire un bilan de votre journée. Ce qui a été de bon, vous capitalisez. Ce qui n'a pas fait, vous reportez au lendemain. Et ne laissez jamais quelque chose pour dire, ah ça là, c'est difficile, hein, on n'a pas pu parvenir, non. Enlevons ça, oublions, non. Quand on se marie, on est dans un combat permanent de réussite. Ça là, on a échoué aujourd'hui, mais pourquoi on a échoué? Toi, tu donnes ton point de vue, lui donne, et vous harmonisez. Je ne vais plus dire à un pasteur de prier. Le pasteur prie à tout moment. La prière rassurée. Mais avec la prière, c'est ça, la lampe de notre route. Donc, il vous conduira sur des prés d'herbes fraîches. Où vous allez vous reposer. Parce qu'il sera votre berger. Que les présentesses officielles que vous venez d'entendre constituent pour vous le socle de réflexion sur lequel doit fonder votre vie commune et amoureuse. Je vous remercie. Maintenant, vous allez écouter ce que le législateur a demandé. Je vais vous reposer les mêmes questions. Si vous êtes d'accord, on continue. Si c'est dur, vous allez me dire, ah, Madame le maire, c'est dur, nous, on ne peut pas pratiquer ça. Ah, Madame le maire, oui, c'est bon. Et on continue. Monsieur Tchétan Hervé, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Avocat Éternité? Oui, Madame le maire. Mademoiselle Avocat Éternité, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Hervé? Vous allez vous lever. Comme vous êtes d'accord, on continue. C'est bon, non? Vous allez faire la déclaration d'union. Moi, Hervé Tchétan, je te prends comme épouse à partir de ce jour jusqu'à ce que la terre nous séparera. Je le jure devant Dieu et devant les hommes, je te serai fidèle. Je prendrai soin de toi. Je te protégerai à la force du Saint-Esprit. Amen. À tantôt. Du temps, monsieur Gracien, nous allons vous donner la parole pour donner des conseils et prier pour nos heureux du jour. Et déjà, je salue le maire et ses collaborateurs qui nous ont vraiment
accueilli pour cet événement très heureux. Et il y a environ 8 ans que moi-même, je faisais la même chose avec ma chérie. Et nous avons déjà passé déjà près de 13 ans ensemble. Et je sais ce que ça signifie, vivre en couple par le lien du mariage. Et si aujourd'hui, le Seigneur me permet d'être garant de ce mariage entre M. Jétan Hervé et Anne Eternité, c'est que je suis rassuré que les deux s'aiment réellement. J'ai vu les signes et donc en tant que serviteur de Dieu, je les accompagne jusqu'à ce que le Seigneur nous amène ici aujourd'hui. Et je promets encore de les soutenir, de les accompagner. Et vous avez déjà dit l'essentiel. Et je sais que vous avez emprunté les paroles de la Bible. Merci beaucoup. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons encore leur rappeler ces choses. Et le samedi, lors du grand mariage devant le Seigneur, on va leur rappeler ces choses. Et je sais que, en tant que serviteur de Dieu, lui aussi, il est un éducateur. Et la Bible nous dit que celui qui ne prend pas soin de son foyer ne peut pas diriger une église. Donc, maintenant, le Seigneur lui confie une grande responsabilité. Il prend soin de l'éternité d'abord comme une brebis pour le Seigneur et maintenant comme un œuf, voilà, qu'il doit chérir pour que ça ne se casse pas. Et je sais que le Seigneur vraiment va les garder et je bénis vraiment le Seigneur pour toute l'assistance. Par au Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ce moment. Et je n'ai pas grand chose à dire, mon chéri a tout dit. Moi, je vais demander à ma soeur, à l'intérité. Elle me connaît déjà. C'est que je suis à côté de mon chéri. Bah, elle va apprendre beaucoup de choses à travers moi. Que le Seigneur les accompagne. Amen. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des parents qui veulent dire un mot. Il y a des parents qui veulent donner des bénédictions, des conseils. S'il vous plaît. Papa, maman. Papa, papa est là. Pardon? Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Vous avez quelqu'un ici? Oui. Je représente valablement la famille Avocant. C'est ma soeur et permettez que je puisse dire un mot. Oui. Avant que l'assistant ne soit là. D'accord. Bon, je vous remercie, eu égard de tout ce qui a été dit. Alors, ce n'est pas un souhait, mais c'est une prière. Je demande à ce que le Saint-Esprit vous unisse encore plus davantage et que la patience soit le plaisir de votre couple. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'accord. C'est tout. Personne ne veut plus parler. D'accord. Levez-vous aussi. Non, vous asseyez. C'est les heureux du jour qui se lèvent pour prendre leur parchemin. C'est ça, les deux. Madame et Monsieur Titan, voilà votre parchemin. Ce parchemin est comparable à un arbre planté au bord d'un ruisseau. Les racines sont dans l'eau.
sans le dire, il résistera aux intempéries. Il y a feu de brousse, vous porterez du fruit. Il y a sécheresse, vous aurez des feuilles. Vous ne manquerez d'aucun tout, et que le pauvre trouve refuge dans votre maison. Que vous consolez les âmes en détresse. Et que, à partir d'aujourd'hui, que tous vos projets, dans le saint nom de Jésus, prennent forme. Que vous louez le nom de l'Éternel pour dire vraiment cette vocation qu'on a pu concrétiser. Vraiment, gloire à toi, Seigneur. Amen. Béni soit l'Éternel Tout-Puissant qui vous unit dans l'amour. Ce que Dieu unit sur la terre ou au ciel, personne ne peut briser. Oh, oh. Béni soit le Éternel Dieu puissant, pour ce mariage s'est marié une faveur de la part du Seigneur. Que la paix vous accompagne. Aimez vos pauvres, les meilleurs et les pires. Aimez vos camps, les vagues vous agissent. Nous sommes vraiment le Seigneur pour la réussite successive de cet événement qu'est le mariage de notre bien-aimé apôtre Paul. Ça a été un grand combat et Jésus-Christ a eu la victoire. Et nous sommes dans la victoire, nous fêtons dans la victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute la gloire le soir rendu, le samedi, ça va s'exploser. Alléluia, ça va chauffer. Et nous nous préparons vraiment pour ça. Et donc, tout va se passer très bien parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui est devant tout ce qui se passe. Et donc, c'est le lieu de bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui vraiment prient dans l'ombre pour soutenir ce grand projet. Et nous déclarons aussi sur la vie de tous ceux qui vraiment prient aussi et demandent que le Seigneur leur fasse cette même grâce. Je prie le Seigneur de leur ouvrir les portes du mariage. Amen. Que le Seigneur leur fasse entrer dans leur grâce. Amen. De mariage. Amen. Et que ceux qui pleuraient dans le célibat retrouvent la joie du mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
Amen. Gloire à Jésus. Shalom, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. En tout cas, c'était un grand moment pour nous, un moment unique dans notre vie. Et pour moi, c'était un rêve. Je me disais que, mais Seigneur, est-ce que ce jour peut venir? Le Seigneur me dit que j'ai mon temps. Je fonctionne selon mon agenda. Et je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de dérouler son agenda. Et nous invitons à tous nos bien-aimés qui, vraiment, aussi dans l'homme, aussi pour le besoin, le Seigneur aussi n'est pas ingrat, n'est pas aveugle. Il nous connaît, vous connaît. Il sait de quoi vous avez besoin. Il sait quand il faut le faire. Et je prie vraiment que, par ce moment, que quelqu'un aussi vraiment partage, vive cette joie. Et le plus grand événement, c'est le samedi. Et vraiment, nous vous invitons massivement à participer, à vraiment partager ce moment de liesse. Et nous savons que Jésus soit encore glorifié. Amen. Amen. Jésus. Shalom, shalom. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Et voilà, nous sommes aujourd'hui au mariage de notre bien-aimé à l'état civil. Le mariage civil, vous avez votre premier passé. Quelles sont vos impressions? Shalom, shalom, que pour Dieu, shalom tout le monde. Vraiment, moi je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour ce grand jour qu'il a permis. Et mes impressions sont vraiment très bonnes. Je suis très très heureuse parce que tout s'était très bien passé. Et il y avait même Madame le maire qui parlait avec des paroles bibliques. Cela montre vraiment c'est conduit par le Saint-Esprit. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce jour. Et je leur souhaite vraiment le meilleur, que le Seigneur soit avec eux. Et un très bon ménage à eux. Shalom, shalom. Voilà comment les choses sont passées, comment vous avez vu les choses. Alléluia, je bénis le Seigneur Jésus pour cet événement. Tout a été très bien passé jusqu'à la fin et ça a été aussi notre grande joie. Alléluia. Et je suis très content de partager avec le peuple. Est-ce que vous avez un mot pour nos bien-aimés qui nous suivent et qui sont également en cours de préparation pour le mariage, vu ce que vous avez vu aujourd'hui à la mairie? Ce que j'ai vécu ce matin, moi-même d'abord ça m'a motivé. Alléluia. Et je me suis dit, bon, il faut que moi-même je me prépare aussi pour assister à cet événement dans ma vie. Et je vous invite aussi à participer à cela. Si quelqu'un se dit, bon, je n'ai pas encore les moyens, je sais que c'est le Seigneur qui pourvoit, et le Seigneur pourvoira aussi à vos besoins. Par rapport à l'engagement qui s'était et j'attends la suite des événements, en tout cas je suis très content. Alléluia. Et est-ce que tu as un mot à donner à nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre en ce moment? Que c'est un très bon moment que nous passons ici. Shalom, shalom, mon Dieu. Shalom, shalom, mon Dieu. Amen. Voilà, aujourd'hui c'est le mariage civil de notre bien-aimé à l'éternité et du Seigneur de Dieu, l'apôtre Paul. Voilà comment s'est passé les événements et quelles sont vos impressions. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Et comme il est un Dieu, et c'est tout ce qui commence, il achève bien. Et voilà, nous sommes toujours dans des processus. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes venus finaliser avec le mariage civil. Vraiment pour apprécier, tout s'est bien passé et ils nous ont bien accueillis. Et par l'aide du Saint-Esprit, vraiment, le Saint-Esprit a même saisi. Et Madame le maire qui a dirigé selon le Saint-Esprit. Alléluia, parce que tout ce qui sortait de sa bouche, ce n'est rien que des paroles bibliques. Donc ce qui veut dire que le Saint-Esprit est au milieu, le Saint-Esprit était le conducteur de cette séance du mariage civil. Donc nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, et le grand jour, est-ce que vous pouvez rappeler ça à nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment maintenant et également les motiver à le jour-là à nous suivre? Alléluia! Jésus! Alléluia! Alléluia! Voilà, et toi qui me suis depuis ta maison, je tiens à te dire que le grand jour, c'est le samedi 8. Alléluia, même si tu es à l'étranger, tu peux prendre ton vol et descendre le samedi. Alléluia! Parce que ça va chauffer. C'est un grand jour. Voilà, donc j'invite tout le monde
Et même si tu n'as pas l'opportunité, la capacité de venir, depuis ta maison, tu peux nous suivre en direct. Après, tout sera en direct. Donc, nous bénissons que le Seigneur nous prête vie et que le Seigneur soit avec nous afin que ce grand jour soit un jour réel et bien réalisé. Et là, donc, voilà un peu tout ce que je peux vous dire et que le Seigneur vous fortifie en toutes choses. Soyez bénis et je prophétise aussi ta vie en même temps que ton tour sera bientôt, récemment. Alléluia. Soyez bénis, homme de Amen. Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Voilà, nous sommes à la fin de l'événement heureux. Et ce processus se poursuit, le processus du mariage du serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, et de la servante de Dieu en éternité. Aujourd'hui, nous sommes passés devant l'officier de l'état civil et pour légaliser cela en vue de la loi, face à face à la loi. Et cela s'est très dépassé par la grâce du Seigneur Jésus. Et nous allons passer maintenant au grand jour qui est le samedi 8 avril 2023. Et cela va se passer dans l'assemblée Jésus revient au siège à Cotonou. Donc vous qui avez les moyens pour pouvoir participer, venez massivement et que le Seigneur Jésus vous bénisse en attendant le grand jour du mariage entre l'épouse et l'époux qui est en train de revenir. Si la trompette ne sonnait pas avant le samedi, voilà, ce jour viendra. Et l'événement heureux, ça se célébrera. Le grand jour nous attend. Soyez bénis, soyez concentrés et connectés. Shalom, shalom.